Hop, et voilà, salut, heureux tout le monde, donc on se retrouve sur War Tales avec la version 1.0 et notre bande qui pour l'instant survit. On était avec Zikino, avec Squash et Kaiser. Ce qu'on n'a pas fait là, c'est l'atelier. Zikino. Et re la VOD, nous dit Zikino. Zikino, il va nous faire quelques hameçons. Tiens, tu vas nous en faire 6. Ok, et tu vas nous faire des crochets également. On en a combien déjà en possession? 2. Ok, on va faire d'autres hameçons. On a craqué tout notre minerai de fer, c'est pas grave, on va en trouver d'autres. On va essayer d'en garder pour la forge, mais il nous faudrait aussi du cuir, il me semble. Pour les torches, on n'a pas ça, ok. C'est vrai qu'on n'a pas cherché à crafter ce genre de truc également, mais bon, le cuir, on n'en a pas. Bois, corde, sel. Ah ouais, mais alors ça, je me souviendrai jamais de ce qu'il faut lorsqu'on sera en... Bon, c'est pas grave. Alors, on est reparti, c'est juste en face de nous. Est-ce qu'on n'irait pas voir la petite maison avant? Qui est juste là. C'est une ferme. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Ça, on peut le ramasser, oui. Y a rien d'autre. Là-haut. Mais il faudrait torturer ces gens pour. Il faudrait leur voler les trucs. C'est quoi traiter sur la peste? Ouvrage traitant de la peste et de ses traitements. A plague rat bit my husband while he was out chopping wood, and Stormcap has cast us out. Ever since, I've had a very hard time finding enough food for him. Alors, mon mari était mordu par un rat pestiféré alors qu'il coupait du bois dans la forêt. Nous avons été chassés de Stormcap. Depuis, j'ai du mal à rassembler de quoi le nourrir. I've nothing to offer in return, but could you take care of him? Est-ce qu'on peut s'occuper de lui? On peut s'occuper de lui, mais je suis pas sûr que ça te plaise. I heard what my wife told you. She's right, you know. I will eventually turn against her. Do what you must. I'd rather die than hurt her. Alors, on obtient du sang infecté. Vous avez obtenu du sang infecté x3. Ok. May the all-seeing eye give me the strength to go on living. Que l'œil me donne la force de continuer à vivre sans lui. Ah bah écoute, Josiane. Bon. Kaiser. Ah, échec. Échec. Ah, ah, ah. Non. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Il est compliqué celui-là. Oh, c'est fait. Non, c'est pas fait. Bah alors. Faut le faire plusieurs fois. D'accord. On n'avait plus de crochet. Terrible histoire. Bon, bah ok. Je veux pas agresser cette dame. Ah bah voilà le cuir. Ok. On va essayer de récupérer de quoi crafter des trucs. Mais ils sont 4. Ils sont 4. On va pas commencer par Daskar. J'ai rien fait. Effectivement, pour le coup,
pas fait grand chose. Zikinho par là. De Last One, on l'enverra après puisqu'il y a la protection. Ok. Coup de défense. Non mais tu veux pas... Ah oui. Pardon, on avait sélectionné le sanglier au lieu de l'attaquer. On va s'éloigner un petit peu. Ça va, le bouclier nous a bien servi. Attendez, j'aimerais qu'on règle le problème là-bas. Plutôt. Aïe. Non, je me souhaiterais voilà, qu'on règle le problème ici. Ce serait cool. Marteau, il est trop loin. Bon, d'ailleurs, on pourrait aller taper là-dedans. Tiens, viens ici. Bim. Fureur pour les sangliers. Incroyable. Oh là là, qu'est-ce qu'il met Kaiser? Qu'est-ce qu'il met Kaiser? Alors, on pourrait se désengager, par exemple. Courir jusque là-bas. Alors, quand vous encerclez avec deux alliés une unité alliée, vous obtenez un bonus. Oui, mais ça, on nous l'a déjà dit. Hop. Ça qu'on veut, encouragement. Oui, vas-y. Voilà, protection pour tout le monde. Derrière le coup d'épée. Bon, il y en a un qui n'est pas protégé, mais il est assez loin, je pense. Salut à toi, Estrelia. Bienvenue sur le live. Coucou. Ok, ok. Bim. Tu es actuellement sur Petit Stream, incroyable. C'est un site qui nous envoie toutes les 10 minutes chez quelqu'un. C'est un petit streamer. Incroyable, je ne savais pas que j'étais sur Petit Stream. Eh bien, bienvenue à vous. Merci bien. Vous êtes actuellement sur War Tales. Vos adversaires sont démoralisés et s'enfuient. Voulez-vous les laisser partir et remporter l'affrontement? Est-ce qu'on fait ça? Oui, parce qu'il est loin, j'ai pas envie qu'il blesse les gens. Donc voilà, et pour ceux qui sont sur Petit Stream, si ça vous intéresse, à 18h, il y aura un match de Coupe du Monde de Carcassonne. Ce sera Argentine-Grèce. Nous avons l'équipe de France qui est engagée dans le même groupe. C'est pour ça qu'on va regarder ce match ce soir. Réparer les armures. Donc les matériaux, on en a 13. Oh, cette viande. La viande de ouf. Dick Kaiser. Croc en parfait état. Grèce. La Grèce, ça va nous intéresser parce que jusque-là, on n'en avait pas. Et Daskar va prendre un niveau. Déchaînement. Inflige 2 à 4 points de dégâts. Inflige 3 points de dégâts sur toutes les unités dans la zone. Attaque une fois chaque unité. Sentinelle. Tous les alliés engagés gagnent riposte. Oh, ça peut être bien ça. Un match de quoi? Alors c'est un match de Carcassonne, le jeu de plateau pour ceux qui connaissent, mais qui est porté sur PC sur le site boardgamearena.com. Et donc tous les ans il y a une Coupe du Monde avec cette fois-ci l'équipe de France engagée également. C'est mignon Croc. Ouais, j'ai pensé à Croc Monsieur, mais je pense que j'ai la dalle en fait. Alors Berserker, pardon. Je crois que Kaiser il aurait bien voulu qu'on prenne ça un moment. Donc on va le filer à Daskar. Daskar qui n'est pas là, si tu nous regardes. Alors, constitution, volonté, mouvement.
détermine le montant de santé de l'unité et augmente le transport. Je pense qu'on va prendre ça juste par volonté de transporter plus de trucs à vendre. Et nous avions une quête à faire. La quête, elle est juste là. Vaincre la bande de Adanglin. Donc on va aller les chercher. C'est mécréant. On va aller chercher ça aussi. Les ressources. J'ai la dalle aussi. Oh mais c'est l'heure. Enfin c'est l'heure. L'heure est passée mais... Voilà. Bref. À l'heure espagnole. C'est l'heure. Invasion de rats. Incroyable. La progression de vos découvertes. J'ai pas eu le temps de lire. Mais ça avait l'air très sympa. Mon chéri prépare. J'attends. Incroyable. S'il peut livrer des crocs. Je serais tout à fait ravi de manger ça. Vas-y pas, Fichtre. Zikinho, je suis désolé, il y a un délai entre ton avertissement. Tu es la matriarche pour mettre fin au combat. À chaque fin de round, la matriarche va appeler de nombreux rats en renfort. Tenter de détruire le plus d'excroissance pestiférée possible avant de tuer la matriarche pour obtenir plus de récompenses. Ok. Bon courage du coup, nous dit Zikinho. Donc là, on a fait une bêtise, visiblement. Où est la matriarche? Elle est là. Oh ouais, purée. T'es un peu... c'est un rat qui a bien mangé. 32 points. Kaiser. Kaiser, on va l'envoyer tout de suite. Hein. Kaiser, il va aller là. Il va prendre ça. Ah mince, on n'en touche que deux. C'est pas grave. Allez, Kaiser, même pas peur. Bon, il a au moins dégommé un rat. Ensuite, provocation. Force la cible engagée et lui applique affaiblissement. Tiens. Affaiblissement là-dessus. Après, qui est-ce qui joue? C'est le mini-rat ici. Alors le problème, c'est la peste. Hein. Je pense que ça va nous... Fièvre. Parce que là, c'est que de la fièvre. Est-ce que toi, on veut t'envoyer là? Non. Toi, oui. Ok. On peut faire ça. Courant inflige 9 à 11 points de dégâts. Oh purée. Ça c'est fait. La matriarche est morte. Les rats, pris de panique, s'enfuient. J'ai envie de dire ouf. Vos compagnons ont tué un rat et ont réussi à détruire zéro excroissance. Mais c'est pas grave. Au moins on a survécu. On prend ça, on répare tout. Elle est moche la matriarche, elle me fait penser à Fallout très vite fait. Alors... Ah mais c'était pas... Moi je croyais que c'était notre quête ça. Mais pas du tout. Et salut à toi Karz, bienvenue sur le live. Wartage vaut le coup, moi je trouve qu'il vaut le coup, on l'avait essayé un peu en bêta. Ou en alpha, je sais plus. Il était déjà sympa, mais c'est vrai qu'il était un peu limité. Maintenant, il a l'air... Enfin, on débute hein, sur cette 1.0. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas touché, mais il a l'air... Il a l'air mieux. Il a l'air mieux. Attaque surprise. Vos compagnons viennent d'attaquer par surprise. Ok. Détruant. Allons-y. Ça fait partie de notre quête, normalement. Alors. Attendez, on va essayer de placer nos gars. Est-ce qu'on peut déplacer la caméra sans utiliser le clavier? Non, on ne peut pas. Bon, dans l'idée, on chope qui en premier là? Signe noir, on va essayer de choper lui peut-être. Allez, signe noir, tu peux y aller. On va pas s'engager. Ok, ça c'est fait. Tu peux courir encore un peu. On va courir par là. Ici, le petit coup de marteau. Salut les gars. Laser, il est en forme. Il brise les armures là de ouf.
Ok. Ok, bah écoute, on serait venu te voir. Le poison, je suis pas fan. J'avoue n'avoir jamais vu de gameplay. Je pense que c'est un jeu qui va te plaire. Enfin, pour ceux qui aiment Battle Brothers, c'est dans le même esprit, mais en 3D. Donc, en principe, en tout cas, il me semble que c'est un des jeux que t'aimes bien. Un des genres de jeux que t'aimes bien, en tout cas. Ok, on repousse. On va coller pour offrir un bonus. Toi, hop, ici. Est-ce que, à tout hasard, on n'irait pas là-bas quand même? Parce que là, on peut le finir, lui. Tiens. Allez, à dégager. Un petit peu de steak pour les loups. Ok, alors attention, parce qu'on n'a plus d'armure avec Kaiser, là. De la Swan, il va aller là, distribuer un petit coup d'épée. Ok, on va se désengager. Aïe, je savais pas que le désengagement allait nous filer un coup d'épée gratos. Et là, on va faire l'encouragement pour essayer de protéger un peu Kaiser. Nouveau round commence. Mais Kaiser, tu veux pas finir par exemple? Voilà, lui il est aplati, suivant. Oh la vache, tu pourrais presque y aller. Il y a du fantastique, genre des nains et co ou pas? Je crois pas du tout. Je sais pas après s'il y a des modes ou quoi. C'est une très bonne question, mais non, c'est très médiéval. Médiéval. Paysan, les pieds dans la boue. En taille. Ok. On s'est pris le poison, c'est pas génial. De la Stoine. Voilà, hop. Et ben ça c'est fait, mais on a pris cher hein, quand même. Tout réparé. Ok, bah non, finalement, pas tant que ça. On a une deuxième dague dorée. Le jour où on trouve un vrai voleur. Journal de bord. L'eau et le sel ont grignoté les pages. Et les mots de son propriétaire. On prend tout. Easy, exactement. Tiens, les Michel là. Interception. Puis-je vous proposer mes humbles articles? On pourrait attaquer ces gens-là, mais ils ont l'air... Quoique lui, il a une tronche d'elfe un peu. On verra pas sous ses cheveux s'il a des oreilles pointues. Iris des neiges, résiduel chimique, saule des montagnes, python, crochet. Crochet acheté pour neuf, non, on va plutôt les fabriquer. Journal de bord, est-ce que ça par exemple, c'est une babiole on nous dit, donc on va le vendre. Ça on le vend, échantillon pestiféré on va garder, composant, la viande on garde, légumes on garde, croc en parfait état, croc d'animal sauvage qui peut servir de monnaie d'échange auprès des trackers. Ok. Bon, je crois pas qu'on ait grand chose à vendre en réalité, donc on va y aller. Et on va aller chercher nos récompenses, on peut inspecter ça. On va aller chercher nos récompenses en ville. En gros, tu gères une team de mercenaires. Exactement, tu fais leur vie, tu es un peu en sandbox. Tu vas aller chercher des missions à droite à gauche dans les villes. Du cuir, tu vas crafter, tu vas essayer de gagner des niveaux. Genre, on a la fiche de Daskar, par exemple, avec son équipement, ses compétences. Il va pouvoir gagner des aptitudes là-dedans, gagner des aptitudes là-dedans également. Il a un métier. Ce métier, on va pouvoir lui débloquer des recettes, etc. D'ailleurs, tiens, on va faire le compendium. Voilà. Quand, de temps en temps, on gagne des niveaux là-dedans. On a les métiers qu'on va distribuer à tous nos personnages. Dans ces métiers, on peut débloquer des recettes à crafter avec ces points-là. Donc, par exemple, les plans fonte.
Harnacher un animal, ses sacoches permettent de répartir le poids de la charge. Donc transport plus 10. Pareil, on a la même chose avec l'atelier, la forge, et il y a d'autres trucs donc à découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit nous? Les matériaux de réparation et les forgerons réparent 5 points d'armure supplémentaires. Ah, on a le truc de transport là. Voilà. Truc de transport qu'on va augmenter pour avoir plus de choses à vendre à chaque fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Défi. Attendez. Dans les défis, forgeron, chasseur de primes, magnanime, laisser 10 ennemis fuir. Témérité, dépenser 20 points de bravoure. Ok. Et là, il se passe un truc. Obtenir un point. Explorateur, découvrir 5 lieux. Dératiseur, détruire un hydra. Ok. Et donc là, on va peut-être prendre un niveau. Alors, je ne sais pas à quoi ils servent les niveaux ici. On verra bien. On va essayer de se diriger vers ici, donc. Storm machin. Traversant la forêt. Je sais que vous l'avez tous chanté dans votre tête. On va essayer de se retenir. Des espèces d'enfoirés du marketing, là. Qui nous polluent nos esprits. Alors, on va aller chercher ça, c'est du fer. Ou c'est autre chose? Ça avait l'air d'être autre chose. On peut inspecter un cadavre. Ils veulent se reposer. On va attendre d'inspecter le cadavre et puis on va se reposer juste après. À peau, à oiseau. Lorsqu'on souffle dedans, l'instrument pousse un cri de canard. Ok. Donc on va avoir notre feu de camp ici. Est-ce qu'on utilise Zikinyo? On pourrait faire des torches, c'est vrai qu'on l'a pas fait. Une torche capable d'éclairer les lieux les plus obscurs et de mettre le feu aux chairs infectées. Vision plus 5, critique plus 3, main gauche. De la corde, pourquoi pas. Ok. Ensuite, rien d'autre. Rien d'autre à part la torche. Alors la torche, on va peut-être en fabriquer une quand même pour le principe. Ok, maintenant on va prendre le repos. Donc le repos, il nous faut repas végétarien et de l'alcool. L'alcool. Ah, les deux. Incroyable. Ensuite, rat. Des champis. Tiens, un petit rat. Ils sont contents d'avoir ça à manger quand même. Des carpes. Tous les choux, ils sont passés. Niveau de danger, aucun. Ok, on est bon. Mais le bricoleur sur son établi. Ah mince, désolé. Désolé, il est où le bricoleur? Zikinyo. On peut le mettre là. Les signes, on peut le mettre là, c'est ça? C'est ça que tu voulais nous dire? Ok, on a un point. Course, vous pouvez courir pendant quelques instants, idéal pour échapper aux poursuivants. Maintenez Shift pour courir. Plan de carrière. Vous dépensez l'influence pour ajouter plus 1 aux attributs lors des passages de niveau. Ça peut être très intéressant. Sens de la conversion pour avoir moins d'argent à dépenser pour recruter. Augmente de 1 le nombre de contrats affichés sur le tableau. Votre troupe peut indiquer un objectif sur la carte. Cannibalisme. Est-ce qu'on prendrait pas ça? Du coup, on peut manger les cadavres. Comme ça, il prépare des matériaux de réparation. Ah bah écoute, je ne savais pas, mais tant mieux. J'ai bien fait de le dire. Flot de prime. Votre troupe est de mieux en mieux organisée. Augmente de 1 le nombre de contrats que vous pouvez accepter. Ça peut être pas mal aussi, ça. Maximum de points de bravoure augmentés.
Trop peut indiquer un objectif. Oh non, ça, c'est non. Perso, je le ferai, le cannibalisme. Bah écoute, on va le faire ensemble là-dessus, je pense. En cas de galère, au moins, on pourra manger nos morts, au sens propre. Ok. Bah là, on est bon. On va retourner donc à Stromcap pour chercher notre argent. Là-bas, il y a du bois, mais bon. Bon, en tout cas, très sincèrement, le jeu est agréable. Il était déjà, mais il l'est toujours. Petite ambiance posée, c'est pas trop hystérique comme jeu. Ceux qui aiment bien les ambiances un peu calmes. C'est un jeu qui peut être assez punitif aussi. Ok, donc, la taverne. On va récupérer notre argent. Chercher du travail, collecter les primes. Bim, 500 balles. Et on en est à combien? 150 en truc, donc on va peut-être recruter des gens. Est-ce que tu aurais autre chose à nous filer par exemple? Facile, bande de Reggae Nignon. Oh purée. Dû déranger la mauvaise personne et maintenant quelqu'un est prêt à payer pour s'en débarrasser. Pourquoi pas? C'est là-bas, alors ça nous intéresse parce qu'on voulait aller ici. Difficile, moyen, moyen, moyen. Est-ce qu'on peut voir où c'est avant? Sud-ouest, sud-ouest, toi t'étais où? Sud-est. Il n'y a rien d'autre au sud-est? Difficile. Recherché pour de nombreux meurtres, Mathias. Ah ouais, non mais ça c'est... Ouais, je me souviens de lui. Je crois que c'est l'espèce de grosse brute avec son marteau là. Mine des écrins, tombeau des anciens. Bah écoute, il y a peut-être, je sais pas, Zikino, tu pourrais nous dire s'il y a des, ce que Kars a demandé, donc s'il y avait des trucs un peu plus fantastiques. Je me dis, dans le tombeau des anciens, est-ce qu'il n'y aurait pas des morts vivants? Par exemple. Bon, on va pas prendre, on va se laisser le temps. I'm at your service. Alors, qui es-tu, toi? Oh, voilà, c'est ce qu'on voulait, un archer. Donc, il va être pour squash. Solde 16, volonté, gna gna. Allez, hop, viens avec nous. Squash, bienvenue dans l'équipe. Ranrik. T'es qui, Ranrik? Ah, incroyable. Voilà, le coup de poignard. Bon, on va prendre Ranrik parce qu'on a deux dagues à lui filer. Je pense qu'il va être très heureux. Et il serait pour Kars. Voilà. Alors, on en a un troisième. On peut pas le recruter parce qu'on n'a pas assez d'influence. Et c'était un épéiste. Bien. Alors, on a deux choses à faire ici. Hop. C'est pour Squash. Et ici, c'est pour Kars. Voilà. Kars, on va lui donner ça. Mais... Et on peut pas... On peut pas lui équiper main droite aussi? Ça aurait été bien, ça. Ça aurait été bien. Bah du coup, on va la vendre. Hein. Et la torche, non? Si. La torche, il veut bien. Parfait. Et Squash, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Arbre de paysan. Salut à toi, Bajoujou. Bienvenue sur le live. On espère juste trouver un archer un jour. Ben voilà, c'est fait. Marmiton apprenti est requis. Acheté pour 80. C'est quoi? C'est la recette... ouais. Le choc des cultures. Vous apprend comment cuisiner le choc des cultures. Mais 150 balles. Alors attendez, on a un peu d'expérience ici. Encyclopédie. Niveau supérieur débloqué. Passer au niveau supérieur et gagner un machin.
Mais on ne sait pas ce que c'est un machin. Mystère et connaissance. Vous obtenez un truc. Instinct animal. Les animaux ont une portée d'agression plus petite. Et abandonnent plus vite. Ça peut être intéressant. Le groupe mange 3 de moins. Ça peut être intéressant aussi. Nettoyer un nid de rat rapporte également 20 d'influence. Prix d'achat des objets de la guilde des traqueurs réduit. Ça, on s'en fout. Les compagnons sont moins enclins à subir des blessures au combat. Ah oui. Ah, ça, c'est oui. Ça, c'est oui, les Michel. Ok. Bon, voilà, on a gagné une compétence spéciale. L'informateur. Eh, vous là, vous cherchez du travail? Donc, 50, on n'a pas assez, hein, quoi qu'il arrive. On aurait pu lui voler aussi, mais bon. On va aller voir vite fait la forge. Petite forge d'Ascar. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Il nous manque du minerai de fer, hein. C'est dommage. En revanche, ça, on pourrait. Armure plus 10. On va tenter. Donc, la plaque de métal chauffe. Appuyez sur le clic gauche quand une plaque devient rouge pour forger votre objet. En appuyant sur clic gauche quand la plaque de métal émet des étincelles, vous créerez un objet de qualité supérieure. Si toutes les plaques ont été frappées au bon moment, vous aurez une chance de créer un objet de qualité exceptionnelle. C'était pas mal, mais c'était pas parfait. Progression de vos découvertes vous fait gagner des points de connaissance. Ok, et on va pouvoir sortir un truc là-dedans. Renfort d'armure possible. Ok. Bon, on peut pas en faire davantage. Il nous faudrait du minerai de fer maintenant pour faire d'autres trucs. Mais on va quand même distribuer ça. À qui est-ce qu'on distribue ça? Daskar. Attendez, Kaiser, il en est où, lui? Arbre de paysan, tiens. Hop, est-ce que Kaiser il est dans la mêlée? Bien comme il faut, armure plus 5, arbre de paysan. Ça, de toute façon, on n'a pas mieux. Armure plus 8, plus 8, plus 8, plus 10, mouvement plus 2, ici plus 11. Ok, bon, bah ça on va le vendre. Échantillon, cuir, corde, ok. Bon, c'était le moment intendance, on va partir vers nos quêtes, je pense, maintenant. On va juste vendre. On va vendre ça. Ok, on va vendre ça. Et on va vendre ça aussi, du coup. On s'est fait un peu d'argent. Qu'est-ce qu'on peut acheter? On a 3 jours de bouffe, hein. Et puis... Hop, on va acheter tout ce qu'on peut ici. Ok, et le blé, on va pas y toucher. On est parti, presque. On peut apprendre la course, donc. On peut apprendre ça pour gagner plus d'attributs, on va l'apprendre. C'est parti. Cette fois-ci, on est vraiment parti. Et on est parti de quel côté? On est parti sur cette route là en bas. Attendez, cette route là en bas, c'est laquelle? C'est celle-ci. C'est éloigné. C'est celle-ci ou c'est l'autre? Non, c'est bien celle-ci. Et GG Zikino pour le level up. Donc là, il va falloir payer nos gars. Ici, l'écurie. Non, l'écurie, on va pas s'y arrêter. Qui êtes-vous? On ne peut pas savoir qui ils sont. Ah, ça devait être des hostiles. L'or et regarde.
L'Oreirag, pardon. Sont où les réfugiés? On va les mettre dehors nous-mêmes. On va tous les mettre dehors. Ah, j'ai bu. On a tous bu. Quand vous le savez, vous êtes devins. Ah, peu importe. Laissez-nous tranquilles, on a des réfugiés à dégager. On pourrait les attaquer. Récompense promise, 5 cuirs. Tiens, allez hop. Ils sont niveau 2. Ouais, on est des gens comme ça. Tout ce qui est paysans, réfugiés, on va essayer de les protéger un peu. Squash, Kars, Zikinho. Ils sont là tous les trois. Eux. On a personne derrière. Tiens, Signe, on va te mettre par là. Toi, on va te mettre par là. Ok. Et on va commencer par qui? Peut-être par lui là-haut. Peut-être par lui là-haut en fait. Tiens, viens avec nous par là. Ok. Allez. Bon, les niveaux 2, ça déconne un peu moins. Déchaînement. Pas mal. On n'a pas fait tomber l'armure encore. Est-ce qu'on veut toi? Pas tout de suite. Ok. On va se mettre par là. Ouais, ça c'était sûr. L'armure de Kaiser a tenu. S'il pouvait nous envoyer le deuxième. Voilà, mais là ce qu'on va faire du coup c'est envoyer Kars. Kars il a quoi? Tourbillon sournois. Coup de torche. Inflige 3-6 points de dégâts à toutes les unités dans la zone. Et leur applique brûlure. Tiens, vas-y, petit coup de torche. Tant qu'il y a à faire. Bon, c'était pas génial. On va pas bouger. Signe. Ok. Tuez-les tous. On va faire ce qu'on peut, mais je crois que ça va être moins simple que prévu. Toi, tu peux aller là. On va faire l'encouragement. Et le coup d'épée. Ouais, lui, il va être compliqué. Purée, l'armure qui tient toujours. Ok. L'armure tient toujours. Aïe. Bon, on a bien fait d'attaquer celui-là. On est un peu trop loin. Est-ce qu'on peut utiliser toi plutôt? Je crois qu'on a sélectionné. Pas moyen de sélectionner lui là. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Si tu viens là. Ok. Très bien, moins 1, c'est ce qu'on voulait, réduire un peu cette barre d'initiative là. Et maintenant, maintenant, qui est-ce qui va attaquer derrière? C'est lui. Ce serait bien qu'on ait derrière les collègues, mais on va pas pouvoir.
Bon, c'est ce qu'on voulait, hein, qu'il attaque quelqu'un avec une armure. Ensuite, on va essayer de finir lui. Très bien. Coup de torche. On lui met le feu. Coup de marteau dans la face. Oula, ça c'est pour Kaiser. Kaiser a débloqué le trait glorieux. Vos adversaires sont démoralisés et s'enfuient. Voulez-vous les laisser partir? Non. Lui, on va le terminer. Tout pour le loot. Est-ce que tu veux venir là? Bon, on réduit un peu l'armure, mais c'est pas encore ça. Ça y est, plus d'armure. Toi, tu vas pouvoir venir de ce côté-là. C'est pas mal. Un nouveau round commence. Bah écoute, tu vas le continuer, tu vas le finir. Incroyable, c'est fait. Bon, on a vu que niveau 2, c'était quand même pas si simple pour nous. On a récupéré quoi? Bec de Corvin de la Garde. Cette arme est aussi courante dans les rangs de la Garde, c'est grâce à sa grande maniabilité. Frappe lourde. Inflige 60 à 120% de force de dégâts à la cible. On a quoi d'autre? 20 d'Eldoran. Augmente de 1 le bonheur. Du cuir, les cadavres. Les cadavres, on peut les prendre maintenant? On va pas les prendre parce que on a quand même à manger. Mais on sait qu'on pourrait les prendre. Tout réparer. On continue. Et signe noir a pris un niveau. Et le stagiaire aussi. Incroyable. Donc signe noir, qu'est-ce qu'on lui donne? Constitution pour du transport, de la santé, mouvement ou de la force pour des dégâts critiques. Il infligera un peu plus de points de dégâts. On va lui mettre ça. Chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un ennemi sans être engagé, obtenez un point de bravoure. Chaque fois qu'il tue un ennemi, chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un allié sans être engagé. On peut peut-être lui mettre ça, lui. Mais il va y avoir un peu trop de compétences pour moi à retenir. Ensuite, on continue notre trajet vers là-bas. Ah, le stagiaire, pardon. Force, constitution, on va lui mettre ça pour plus de transport. Stagiaire niveau 2. D'ailleurs, attendez. C'est Kaiser. Kaiser, il peut prendre ça, 7 à 13 de dégâts. Et là, il fait combien? Inflige 7 de dégâts. Force plus 2, enfoncement. Frappe lourde. Je crois qu'on lui donne. Hein. On va lui donner ça. Force plus 2, moins 1. Pourquoi moins 1? On est d'accord que celle-là est mieux. Oui. Oui, force plus 3. Très bien. Et ça, Gambison, ce Gambison, dans un état médiocre, garde plus 11, armure plus 15, tiens. Et ça, on va le filer. Hop. Qui allait devant, là? Toi. Armure 10. Passe à armure 11. Ouais, mais j'aime bien l'idée qu'il ait du mouvement parce qu'il va apporter le soutien à tout le monde. Et ben écoute, ce sera pour toi. Voilà, et on vendra ça. Quoique plus 8. 15, il y a plus 5 ici, tiens. Voilà. Plus 8. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah pas grand chose. C'est déjà pas mal. Allez. Mine de sel. Stop right there. Cette mine de sel appartient à la bourgmestre Gontrande. Il ne peut pas vous laisser entrer comme ça, menacé.
Requiert 20. On a ça à convaincre. As you wish. We can't mine the salt because of these two iron veins anyway. À votre guise, de toute façon, ces deux filons de fer bloquent l'extraction du sel. Très bien. Donc, inspecter. On pourrait voler du sel. Minerai de fer ramassé. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un mineur. Donc, bah, ça va être pour squash. Ok. Alors, placez votre curseur sur le niveau du cercle. Gna gna. Le cinquième, je m'y attendais pas. Bah ça c'est fait, on a récupéré 9 minerais de fer. Il y en a un deuxième ? Il y en a un deuxième. Oh, échec. 8 minerais de fer, très bien. Vous avez nettoyé ces gisements, à la bonne heure. Le travail va pouvoir reprendre. Et on réobtient nos 20 de trucs qu'on avait donnés. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Je crois pas. Donc on continue. Qu'on aille de l'autre côté des montagnes, on va aller chercher le bois qui est là-bas. Quoique, peut-être pas, parce qu'on en a 13. La ferme des Lindes. Alors, pourquoi tu te lamentes, Christina? Est-ce qu'il y a des trucs à ramasser ici? Du chanvre. On peut couper du bois. Ok. Et puis quoi d'autre? Utiliser des crochets là-haut. Ah mais on n'en a pas. C'est pas grave. Comment ont-ils pu? Nous ne leur avons opposé aucune résistance, mais ils ont quand même tué notre petite Lucilla. Son père a perdu l'esprit et il s'est lancé à leur poursuite en direction du moulin. J'espère qu'il les a trouvés. Ces voleurs ne méritent pas de vivre. Bien, bien, bien. Et là, c'est quoi, loup? L'odeur très forte de la viande de loup, mais l'eau à la bouche. Non, on va pas lui voler ça. Nous sommes des gens à peu près respectables, même si on sent des pieds. L'odeur ne fait pas tout. Qui êtes-vous? Ah. Des truands et des braconniers, ils sont 6, niveau 1. Là, ça va être compliqué. On est combien? On est 6, 7. Ils sont niveau 1, on s'est débarrassé de niveau 2. Mais c'est vrai qu'ils sont nombreux. Donc pour nous, l'objectif, ça va être de réduire le nombre le plus vite possible. Je suis pas fan des braconniers avec leurs arcs là. Il y en a qu'un seul avec un arc. Ils sont où les autres? Donc ils étaient 6. Bah finalement ils sont que 4. Ils sont que 4. Ouais, Daskar là-bas. De la Swan ici, Signe Noir là. Donc ces trois-là vont aller s'occuper de lui. Et puis eux, ils vont faire ce qu'ils peuvent
par là. On va commencer par signe. Ok, pas mal. Oh, le poison. Oh, le poison. Kaiser. Kaiser, il pourrait en choper deux, là. Salut à toi, Gozaka. Bienvenue sur le live. On va envoyer Daskar, quand même, direct là-bas. Pour éviter de se prendre des flèches. Et ça va peut-être leur faire baisser le moral. Ah, mais ils sont dans l'ombre. Ok, super. Ici, pareil. Tiens, petit coup de torche. Non, là on va attaquer notre collègue. Voilà. Allez, signe noir, tu résistes. Zikino. Ok. Kaiser. Kaiser, il peut choper les trois là. Ah non, il peut plus choper les trois, il a plus sa masse. Ok. Je croyais que c'était une arme lourde. Mais pas du tout. Donc on va peut-être changer ça. Dommage. Un point de dégâts, ça va. Bon, est-ce qu'on pourrait terminer Michel. Touche pas ton collègue. Merci. Donc moins 1. Plus que 5. Ouf. Squash, il a perdu toute son armure d'un coup. Ouais, on a plus de points de bravoure en vrai. Je comptais beaucoup là-dessus. Alors ce Wartail nous demandait Gozaka tout à l'heure, pardon, j'ai pas répondu. Il est très chouette. Est-ce qu'on veut frapper lui? Non, on va essayer de frapper lui avant. Voilà. Histoire de réduire la barre d'initiative un peu plus. Galvanisation. Parfait. Un point de bravoure. Allez, aïe. Karz, non, c'est pas toi qu'on veut. Voilà, on va faire ça et puis on va courir avec... Quoique, course, se désengage et se déplace en ligne droite. Tu sais faire ça ? Il pourrait se réengager derrière, mais bon. Ok, parfait. Quand même pris des points de dégâts de poison. Ici. Ah ouais, là on pourrait utiliser le point de bravoure justement. Bim. Et derrière, bim. Bon, l'arme fait des dégâts, mais je pense qu'on va lui remettre sa masse quand même. Ouais, on va les laisser partir. Se finish à la fourche. Ok, donc on a récupéré Iris des Neiges, on a récupéré Tabard hors la loi, critique, armure plus 9, mouvement plus 2, ça va être très bien. Des couronnes,
tout réparer, on ne peut pas. On va réparer Kaiser. Kaiser, on lui donne son niveau plus de force. Qu'est-ce qu'il peut prendre? Posture défensive, enchaînement valeureux. Chaque fois qu'une attaque touche plusieurs ennemis, obtenez un point de bravoure. Et duel valeureux. Chaque fois que cette unité s'engage, obtenez un point de bravoure. Je crois que duel valeureux, parce que ça, c'est ce qu'on va faire tout le temps, tout le temps. Même si on va pas forcément attaquer plusieurs ennemis à la fois. Zikinho, il a un niveau. Force, constitution et volonté. On va lui mettre de la force aussi. Hein. Volonté plus quand même. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Harponneur. Inflige 6 points de dégâts à toutes les unités dans la zone. Applique saignement à la première unité touchée. Héros, applique fureur à tous les alliés. Et dégâts à la prochaine attaque augmentée de 50%. Piqué. Cible une zone. Quand un ennemi traverse la zone, effectue une attaque d'opportunité et stoppe son déplacement. N'arrête pas les déplacements des élites. Ça peut être intéressant aussi. Je sais pas. Mais je pense qu'on va prendre ça là. Perforant. Perforant. Le point de force. Ouais, on doit tout réparer. C'est un peu galère. Mais on va se reposer. Signe. Signe, on va lui réparer son truc. Ça, c'est fait. Ok. Michel Poney. Un niveau. Michel Poney, constitution. Pour pouvoir transporter plus de trucs. Ok. On n'a pas encore besoin de dormir. Où est-ce qu'on va? Alors ça c'est notre camp, oui pardon, c'est pas ce que je voulais voir, c'était ça que je voulais voir. Il faut qu'on aille ici. Qu'est-ce qu'on va prendre? Les matériaux de réparation et forgeron des villes réparent 5 points d'armure supplémentaires. Allez hop, on prend. Et ici, célèbre, gagner 100 d'influence. C'est fait. Et là-bas, explorateur, découvrir 5 lieux. Ok. Attendez, il y a d'autres trucs là. Ah non, ce sont nos quêtes, pardon. Ok. Bon, là, il est en train de faire ce qu'on lui demande. Hein. Il me faudrait de la graisse pour avoir une torche. On a des crochets. Ce serait pas mal d'en faire. Ok, les hameçons, on en a quelques-uns. Les pitons, on peut en faire un pour le principe. De la corde, une marmite. Alors, vous pouvez préparer des plats nourrissants. Pourquoi pas. Le coffre, stocker les objets que vous voulez conserver dans ce coffre. On va faire la marmite déjà. On fait le coffre aussi, on peut plus. Il nous faudrait du minerai de fer. Les cordes, on en a. C'est bon, tout va bien. Bon, on peut apprendre un nouveau truc. Vos compagnons deviennent d'habiles orateurs. Augmente de 1 le nombre de contrats affichés. Maximum de points de bravoure augmenté de 1. Roublardise, la jauge de soupçon se vide plus vite. Au nombre de 1, le nombre de contrats que vous pouvez accepter. On va prendre les points de bravoure. Bon, on pourrait choisir d'autres trucs hein, par là, mais... Okay. C'est bon, tu m'as influencé, espèce de sale influenceur. J'ai pris Wartel. Ouais, vraiment, il est sympa.
C'est le genre de jeu, on va pas y jouer pendant des mois et des mois, mais on va y revenir très souvent, je pense, pour des petites sessions, un petit run nouveau. Ici, on récupère. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Du chanvre. Tout. Est-ce que c'est tout ? Ça a l'air d'être tout. Et ensuite, à l'intérieur, il y a un Michel. Inspecter. Là, on peut tout prendre. Tissu, charbon. On en est où du poids ? On est large. Inspecter de la thune. Inspecter du tissu. Ouais, je vous invite à soutenir. En plus de ça, je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que c'est un studio français qui a fait Wartale. Il a tué tout le monde, hein, fou furieux, je suis blessé, aidez-moi. On pourrait le soigner pour un remède. Merci, je n'arrive pas à croire que Ricky se soit servi de nous comme appât. C'était lui le responsable, pas nous. S'il n'avait pas tué la petite fille pour lui prendre son collier, le père se serait même pas défendu. Et les compagnons seraient encore en vie. Prenez-moi avec vous, j'ai des comptes à régler avec ce traître. Allez, on prend. Il vous a rejoint, vos compagnons sont satisfaits. Akert, il a 2 points d'aptitude. Akert, on va lui mettre de la dextérité pour les coups de poignard. Et le deuxième, c'est quoi ? Mouvement, volonté, transport, tiens. Et santé. Audace, valeureuse. Chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un ennemi sans être engagée, chaque fois que cette unité tue un ennemi, je crois qu'on va lui donner ça. Égorgeur, 4 à 5 points de dégâts à la cible, effectue 2 attaques supplémentaires. Écran de fumée, force les ennemis engagés dans la zone à se désengager, subissent une attaque d'opportunité. Empoisonneur, applique 4 de poison à toutes les unités dans la zone. Pour ça, il faudrait être au milieu de quelque chose. Je pense qu'on va prendre ça quand même. Frénésie, on devient égorgeur. Ok. On va vérifier notre équipement. Est-ce qu'on a quoi ? Horde de paysans, voilà, tableur de hors-la-loi. On va donner ça, bah tiens, à toi là. D'ailleurs, hein. Attendez, on va filer ce personnage à Bajoujou. Bajoujou, voilà. Des os, c'est l'inverse. Bajoujou. On va lui donner ça. Ok. On va refiler à Kaiser. Son arme. Zikinho. À qui est-ce qu'on peut donner l'hache? Elle fait quoi en taille? 6-8, saignement. Signe noir, est-ce qu'on lui donnerait ça peut-être? Il peut pas s'en servir. On va s'équiper de ce type d'arme. Toi non plus. Non, il n'y a que Kaiser en fait qui pouvait s'en servir. Mais est-ce qu'on veut vraiment... Parce qu'elle faisait quand même beaucoup de points de dégâts. Hein. On va lui donner quand même. La marmite, vous pouvez préparer des plats. Ok, ça c'est notre... Est-ce qu'on a laissé des choses? Je crois pas. On est bon, on peut repartir. On peut repartir. Donc, il faut qu'on aille par là-bas. Je sais pas si on va pouvoir passer ici. Il y a du fer là. Inspecter en hauteur, on va aller faire ça. Dans le moulin. Ah, pardon. Alors attends. Ils veulent aussi se reposer. Bon, ils sont beaucoup plus lents. Mais c'est pas grave. C'est une zone safe. À peu près.
J'aimerais bien qu'on répare nos armures quand même. Les stagiaires. Ah, le stagiaire est mort d'épuisement. Oh là là. Quelle horreur. On peut toujours porter nos trucs. Ah, ça c'est terrible. Ok, ben on saura que quand il faut se reposer, c'est vraiment. Tout de suite. Ça, on peut le poser quelque part, non? Non. Bon. Solde. On donne le solde. Pose la marmite. Ah mais si, on peut la poser dans le campement. On peut la poser. Ok. Nouveau métier, marmiton. Alors, qui n'a pas de métier? On va mettre Bajoujou marmiton. Bajoujou marmiton. Il est où Bajoujou? Il est là. Marmiton. Ok. Fonte. On a acheté un animal. Ouais, mais alors ça... Hélas. Notre animal est... Il est plein. Non? Voilà. Très bien. Ok. On va pouvoir... se reposer donc. Verser, oui. Qu'est-ce qu'on a récupéré là? Des perches. Du pain, des fruits, hop, ah tu veux deux pour un, ok, on est à 22, un petit peu de viande, on va peut-être garder la viande, ah non ils veulent, non c'est bon. Et voilà, rapport de camp, donc la troupe est reposée, les soldes ont été versés, tout le monde est content, et là-dessus, bah, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode en souhaitant que ça vous ait plu, on va se laisser juste deux petites minutes pour ceux qui sont en live, on revient tout de suite après une petite pause.